Okay. So now, for example, 1.B, let us have a look at it. Allez, pour exemple 1.B, alors c'est root de 2 sec x, on retirait 2 égale à 0. Allez, première chose, very first thing of all, vous connaissez peut-être le cabine blier un petit peu parce que tellement on apprend beaucoup d'informations dans la première vidéo là. Let us have a clear look at it. The very first thing you need to do, première chose qu'ils ont besoin de faire, c'est que vous avez fait l'événement sec x est égal à. Get paré. Donc, exemple 1 partie A, c'était quoi? C'était sin x est égal à. Tout le temps, vous avez fait l'événement sin x est égal à, cos x égal à, tan x est égal à, sec x est égal à, etc. Les là, vous êtes capable de comment solver. Get comment là? Là, il n'y a pas de limite que nous avons solvé là. Il n'y a pas de style que nous avons solvé. Nous avons fait l'événement sec x est égal à. Then only you can proceed forward. Let us proceed forward over here. Allez, premièrement là. Alors, ça, c'est mon root de 2. Sec x est égal à 2. Pièce par pièce, nous pour éliminer. Ensuite, root de 2 qui peut faire là-bas. Root de 2, il peut faire là-bas. Alors, par ici, divine. Par ici, divine division. Ok, it's good for this one. Alors, divine sec x est égal à. Alors, divine sec x est égal à 2 divisé par root de 2. So far, it's fine for all of you. I hope pas de difficulté là. Alors, cela vous donne comme sec x est égal à 2 sur root de 2. Là, le fait qu'ils aient une récifère, sec x vient du côté gauche, purement sec x vient du côté gauche. Now you can start solving. Mais, even before you start solving, it bien. Allez, si c'était sin x qu'ils ont pu faire là, c'était sin x, vous pouvez faire sin inverse du côté, droit. Vous êtes d'accord avec moi pour cette partie-là. Mais là, il y a un problème. Et le problème là, c'est quoi? Le problème là, c'est que la calculatrice peine à sec. Peine à bouton sec, la calculatrice. Il y a juste sin, il y a juste cos, il y a juste tan. Mais ils ne peuvent pas faire sec inverse. Maintenant, faire comment dire, il y a une dimension, il y a une calculatrice. Alors, ce qu'on est capable, il y a un bouton sec. Si il y a un bouton sec, veut dire qu'il peut faire sec inverse. Examinateur peut toujours pénaliser les autres parce que je peine à remettre sec inverse. Cot inverse avec cosec inverse sur une calculatrice. Soit je mets sin inverse, cos inverse et tan inverse. Le papier, je ne pas gagner sec inverse, cot inverse, cosec inverse. Ça veut dire même si les qui dit prenez un bouton sec sur la calculatrice ici, les types toujours pénalisés parce que l'examinateur n'a pas envie de trouver sec inverse ici. Il a envie de trouver juste sin inverse, juste tan inverse avec, et juste cos inverse qui gagne droit de trouver le papier. Alors, ce qui nous a fait là, c'est pour cela qu'ils ont choisi cet exemple-là. C'est parce que là, en même temps, il y a un exemple que comme quoi, il est particulièrement sec du côté gauche, nous, nous avons fait l'événement sec. Alors, si nous permettons l'occasion, comme quoi, vous êtes capable de montrer autres, qu'ils ont besoin de faire sec, bien subject en formula. Et maintenant, deuxième chose, c'est nous avons besoin de faire l'événement dans le band common identities. Le band common identities, c'est soit sin, soit cos ou soit tan. Comment je dis d'apprendre, voilà. Comment je dis d'apprendre que sec, c'est quoi? Sec, c'est 1 sur cos. Je viens d'apprendre que sec, c'est 1 sur cos. Alors, ce qu'il nous faut faire par ici, nous devons faire sec, bin 1 sur cos of. Nous devons faire sec, bin 1 sur cos of x. Voilà. Est égal à 2 divisé par root 2. Est égal à 2 divisé par root de 2. Alors, sec, c'est 1 sur cos. Alors, si bin 1 sur cos est égal à 2 sur root de 2. Maintenant, en place, nous devons cross multiply, nous devons attendre. En place de voir cross multiply, vous pouvez regarder pour l'examen. You can just take reciprocal. Vous êtes d'accord avec moi? If you take reciprocal over here, reciprocal qui veut dire, reciprocal veut dire mon nez vient côté gauche. Vous êtes tout d'accord si mon vient côté gauche par ici, les bouvines cos x, le 1. Maintenant, si mon vient côté gauche, mon vient aussi vient côté droite, hein. Vous n'êtes pas que le droit juste vient côté gauche, mais pas vient côté droite, c'est une équation ça. You have to keep it balanced. Si mon vie à gauche, mon besoin vie à droite. La même chose qui me fait à gauche, mon besoin fait tout le temps la même chose avec droite quand c'est une équation. Alors voilà. 1 sur cos, mon vie à l'élimine cos x. 2 le root 2. Alors pour une route de 2 sur 2 le root 2 pour une route de 2 sur 2. Vous pouvez bien saisir dit par ici. So this is for you. So this is for your cos of x. Vous pouvez bien saisir dit par ici. Alors 1 sur cos x pour une cos x. 2 sur route 2 pour une route de 2 sur. Pour une route de 2 sur 2. Alors, ce n'est pas de difficulté jusqu'à présent. I hope it is clear for all of you. Là. So, this is your cos x. Est égal à route de 2 sur 2. Là, qui est vraiment dans une façon code, les solvable. Alors, auparavant, les parties solvable là. Hein,
Là qui maintenant nous capable guetter si pas dans qui quadrant de trouver. So we had two steps before. The very first step was to make set x become subject of formula tout le temps premier step. Alors je bizarre vraiment faire ce trigonometric function. Vin purement subject of formula comme pas ici. Mais faire purement set x vin subject of formula. Deuxièmement les là. Alors si toutefois les vont en termes sine cosine. Mais faire les vin en termes de sine cosine. Ici les vin en termes de cos. Là, là, voilà, je n'ai qu'un pour évaluer. Let us have a look at it. Once again, qu'est-ce que je dois dire? Allez, route de 2 sur 2. C'est quelque chose qui est positif, ça. Je capte la calculatrice. Route de 2 sur 2 est positif. Alors, qu'est-ce que je dois dire par ici? La même chose. Since cos x is positive. Alors, cela veut dire que mon angle x. Alors, s'il trouve dans premier quadrant. Alors, cela veut dire que mon angle X s'il trouve dans premier quadrant. Et dis-moi même dans quel quadrant est-ce que cos est donc positif? Alors, tout le temps, il est donc positif dans premier quadrant. Et je dis aussi apprendre que cos, voilà, il est donc positif dans quatrième quadrant. Comment je dis fini grâce à bots là? Comment je dis fini qu'on est dans quel quadrant qu'il est trouvé? Then, without any further delay, you're going to work the respective quadrant over here. Alors, starting with the first quadrant. Allez. Nous commençons avec premier quadrant. Premier quadrant, comme on dit autres, tout le temps, c'est sur calculatrice qui nous gagne premier quadrant. Alors, ce qui vient bien direct par ici. Comment nous pouvons faire une réponse premier quadrant? Once again. Alors, nous disons comme ça que cos x peut être route de 2 sur 2. Cos x, faisons route de 2 sur 2, so what is x? X faisons cos inverse de route de 2 sur. Alors, x faisons cos inverse de route de 2 sur 2. Je fais bien saisir par ici. Alors, cos x, c'est route de 2 sur 2. Le fait que cos x est route de 2 sur 2, alors x qui est égal. How do you eliminate cos on the left? To eliminate cos on left, you're going to do cos inverse on the right. Pas oublier, mon dieu, tout ça en inverse, cos inverse est en inverse. Alors, bien mettre en écrit, attention, il y a une bande plus pressée qui bien. L'oublier mettre cos inverse ça en écrit, les justifier au calculatrice, c'est pas bon. Alors, c'est cos inverse de route de 2 sur 2. Maintenant, guette bien, ça c'est une fraction. Et mon fatigué, déjà, mais mon rédialé quand même ça. Tout le temps, quand c'est une fraction, ils ont bizarre mettre dans une braquette. Vous n'avez pas mettre dans une braquette. Vous êtes calculatrice qui a fini par faire une bout de masse. Alors, voilà. Et il pas tombe vraiment comment nous t'y fait envie. Ok, it's good là. Alors, get comment là sur tout. C'est une fraction. Quand c'est une vase d'une fraction, pas badine avec lui. Mettez dans une braquette, vous êtes. Alors, cos inverse de. Alors, cos inverse de route de 2 divisé par 2. Alors, cela vous donne 45. Alors, cela veut dire que x est égal à 45. Allez, dis-moi, vous êtes même 45 km. Alors, c'est 45 degrés. Comme on dit, vous êtes voilà dans sa topique là. Les pâtes sont dans sa topique là. Tout ça qui est avec un sine, tout ça qui est avec un cos, tout ça qui est avec un tan, it always has to be an angle. Le fait que x est attaché avec cos, le fait que x est capable d'attacher avec tan, le fait que x est capable d'attacher avec un sine, alors, ce qu'on est attaché avec un trigonometric function, veut dire que la chose qui est attachée avec sa trigonometric function là, it is bound to be an angle. So, x is bound to be an angle over here because it is attached to the function cosine over here. Okay, it's good. So, this is how you obtain for the first quadrant. Premier quadrant, tout le temps, nous gagnons directement sur calculatrice. Allez, maintenant, voilà. Il y en a aussi dans le quatrième quadrant. Let us have a look at it. Allez, nous travaillons rapidement dans le quatrième quadrant. Allez, dans le quatrième quadrant, qui se dit d'apprendre? So, for the fourth quadrant. Alors, voilà, ça, c'est pour le quatrième quadrant. Allez, dis-moi, je dis, dans le quatrième quadrant, qui se dit d'apprendre, vous autres? Alors, pour le quatrième quadrant, voilà. Alors, dans le quatrième quadrant, je dis d'apprendre que x, qui est égal, on me dit tout le temps, deuxième quadrant, troisième quadrant, quatrième quadrant, tous les trois, ils dépendent de qui angle. Get bien. Tout le temps, quand je dis sur le premier quadrant, ça qui se dit gagner là, comment on appelle lui? Ça qui se dit gagner là, on appelle lui comme qui angle. Tout le temps, il est comme ça, ça. Tout le temps, ça qui nous sort dans le premier quadrant, on appelle lui comme qui angle. Allez, let us have a look at it maintenant. Quatrième quadrant. Allez, dis-moi, je dis, quatrième quadrant, quelle instruction je connais? Que tout le temps vous nous gagnez valeur le quatrième quadrant. Alors c'est 360 degrés. Retiens-nous qui angle. Ça, c'est quelque chose qui se bizarre maîtriser par cœur, ça, hein.
Tout le temps, vous êtes gagné deuxième quadrant. C'est 180, vous tirez qui un goal. Troisième quadrant, 180 plus qui un goal. Et quatrième quadrant, c'est 360, retirez qui un goal. So for this one, pour quatrième quadrant, voilà. Alors, c'est x est égal à 360, retirez-nous qui un goal. Allez. Pour x est égal à 360, retirez qui un goal. Alors, c'est x est égal à 360, retirez. Allez, qui un goal, c'est combien? C'est 45 degrés. Alors, c'est x est égal à 315 degrés, voilà. Tout le temps, you should end up get bien tout le temps, quand il est positif. Quand il est négatif aussi, je peux apprendre avec maman une semaine après. Même quand il est positif, même quand il est négatif, tout le temps, on a deux quadrants. Quand il est positif, tout le temps, pour obliger un premier quadrant avec l'autre quadrant. Ça veut dire ça de là tout le temps, si elle bien gagné ça. Tout le temps, ça de là, si elle bien gagné. C'est ça de là, même quand on peut recycler les. C'est ça de là même quand nous vous ça pas recycler désolé c'est ça de là même quand nous vous ça école qui comme quoi les là voilà nous même les autres angles vous pouvez bien saisir les gars là mon gars 45 mon gars 315 là les comment dire mon gars mon starting point là le fait que mon domaine en ce moins 720 et 720 allez nous regardons cool comment nous pouvons faire la même chose sans qu'ils nous dessinent grave là maintenant ça veut dire essayer imaginer là essayer imaginer là les comment dire mon gars mon deux points bleus là mon gars ça deux remords bleus là. Mon gars, mon premier point of intersection comme 45 degrés. Mon gars, mon deuxième point of intersection comme 315 degrés. Allez, what are you supposed to do now? Let us apply forward cycle. Allez, applying forward cycle, let us have a look at it. Alors, voilà, applying forward cycle. Allez, let us apply forward cycle maintenant. Applying forward cycle. Allez, qu'est-ce que vous supposez faire? Comment vous allez apprendre tout à l'heure là que vous avez un nouveau angle produced. Your new angles which are produced, they are going to produce, alors voilà, more angle. Ça veut dire mon premier point of intersection. Mon premier point of intersection qui est 45 degrés, alors il pour produire. Alors, un autre prochain angle après 360 degrés. Pas oublier pour sin avec pour cos. Le fait que sin avec cos sur one cycle, alors it's for a span of 360 degrés. So each angle produced will produce another angle after a span of 360 degrees. Alors comment pour x égale à 45 degrés, après 360 degrés, il pourrait produire un autre. Après 360 degrés, il pourrait produire un autre nouveau angle. Alors cela vous donne combien? Alors cela vous donne 405 degrés. Pareillement, mon angle qui me dit gagner dans mon quatrième quadrant, qui était 315 degrés, alors 315 degrés, voilà ici, après un span de 360 degrés, il faut produire un autre angle. Alors cela vous donne 660, cela vous donne 675 degrés. Mais comment vous pouvez trouver, voilà, nous pouvons arriver jusqu'à 720 degrés. Tant que nous pouvons arriver jusqu'à 720, mind you, tant que nous pouvons arriver jusqu'à 720, mon type con, c'est les autres, vous autres, continent de travail. Le fait qu'il y a l'espace, nous continuons de travail. Alors, ce qui est bien, là, les commentaires, mon game au D-angle, là, voilà, mon game au D-angle en point bleu. Fait comment dire, les mêmes graphes qui tout à l'heure, là. Là, mon game au D-angle en point bleu, premier, là, c'était dans premier quadrant, là, c'est dans quatrième quadrant. Comme on prend sa bande angle bleu, là, mon cycle, là, alors, voilà, mon game, les commentaires, mon game a D-angle, ça qui est en rouge, là. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi, angle en rouge, c'est pour dire angle en orange. Ça veut dire que chaque angle qui me gagne, me gagne droit, ajoute 360 avec lui. Alors, ce sont deux nouveaux angles qui m'ont gagné, qui est 405 et 675. Alors, ce qui m'a pour faire, m'a pour prendre vos 405 degrés, m'a pour plus 360 degrés. Alors, cela vous donne combien? Cela vous donne 760, 765 degrés. Les rejected, pourquoi? Parce que l'une dépasse nos barèmes de. Parce que l'île dépasse nos barèmes. Vous êtes d'accord avec moi là? Astia, mon frère trouvait que ça les rejected. Mais il n'est pas me dire qu'il ne peut pas laisser ça là. Il n'est pas me dire qu'il pense que ça l'a rejected, ça l'a aussi pour rejected. Là, dans ce cas-là, on nous guette vraiment mentalement, nous guette. À moins mentalement, je vais vérifier. Même si on va mettre l'eau par pied, mais à moins mentalement vérifier. Alors, quand nous prenons 675, nous pour plus 360. Alors, si vous venez dépasse 1000, alors ce qui est évidemment les rejected. À moins travail jusqu'à rejection level. À moins, tout le temps travail jusqu'à rejection level. Ok, it's good. Là, ne pas faire paresse pour l'examen parce que vous êtes capable de gagner quelque chose. Et n'a coup de première rejected. Mais, le dernier n'est pas rejected. Hein, vous vous trouvez dans l'exemple à venir, on a pris dans les autres semaines, que vous n'avez pas de premier coup. Là, les rejected, mais le dernier n'est pas rejected. C'est pour cela tout le temps, mais il faut qu'il y ait un mois de travail jusqu'à
Travaille minimum jusqu'à deux rejections. Travaille minimum jusqu'à deux rejections. Comme ça, c'est sûr et certain qui vraiment se parlera de l'ennemi, vous autres. Allons, lisez les rejected, lisez les rejected. Bon, pas le faire pour lui, mais comment nous faisons mentalement 675 plus 360, l'IP dépasse 1000. Le fait qu'il l'IP dépasse 1000, allons, voilà, nous supposons arrêter jusqu'à 720 degrés. Allons, sa réponse, nous tout gagner, c'est pour rejected. Allons, c'est pas pour mimicry, les boys. Ça veut dire, en d'autres mots, on finit avec applying forward cycle. Now let us apply reverse cycle. Allez, la même chose maintenant. Applying reverse cycle. Allez. Applying reverse cycle. Once again. Tout le temps, ça, ça c'est nos deux starting points, ça. Premier quadrant avec l'autre quadrant. Là, tout le temps, ça c'est nos one starting points, ça. Vous avez bien saisi, là, c'est ça, de là même qui reste généré, là, les mêmes, là. Ça, de là, les vignes en rouge. Rouge, les régénérer. Les vignes orange. Orange, les gars, régénérer les vignes mauves. Mauve, gars, régénérer les vignes vertes. It goes on and on like this. It's infinite. C'est pour ça qu'on a un restricted domain. Allez, applying reverse cycle. Once again, what were my starting points? Well, my starting points était X. Est égal à 45 degrés. Avec mon starting point, c'était X. Est égal à quoi? Est égal à 315 degrés. Allez, qui nous supposait faire là? Reverse cycle. Nous supposait moins 360. Nous supposons moins 360, parce que ça point 45 degrés là, les pour reproduire une autre solution, 360 degrés en arrière, ça point qui est 315 degrés là, qui part ici, les pour reproduire une autre solution, 360 degrés en arrière. Ok, it's good for this one. Alors, cela vous donne combien par ici? Cela vous donne x est égal à négatif. Alors, 315 degrés, ici, cela vous donne x est égal à négatif 675 degrés. Maintenant, ça a deux angles qui m'ont gagné là. Comme on apprend ça tout le temps, each angle produced is going to yield another angle. Alors, x égale à moins 315 degrés là, once again over here, it's going to produce another angle. Ça, x est égal à moins 675 degrés là, it's going to produce another angle in the reverse cycle over here. Alors, ici, là, comme il est devenu là, moins 675 degrés. Par contre, ici, là, alors, cela vous donne combien, là? Alors, c'est 675 plus 360. Alors, voilà, cela vous donne 1035. Alors, c'est négatif. 1035 par ici, which is definitely rejected. Travaille jusqu'à rejection. Par contre, ici, nous arrivons jusqu'à moins 675. Now, it's game over for this one. But it's not yet game over for this one. So this new angle is going to produce. So this new angle over here, qui est moins 675 degrés, it's going to produce another. It's going to produce another angle. Alors 360 degrés en arrière. Alors moins 675. Retirer 360, c'est négatif 1035 toujours. Alors, let me just have a look at this one. Ah, there's a mistake over here, mes excuses là. Parce que là, pour ici là, les papiers de zone ça va le là là, hein, mes excuses. Allez, pas fait non, du travail ça là là. C'est moins 1035 degrés. Alors, comment vous pouvez trouver ici, voilà, this one is going to be rejected. Ici, faut qu'il me fait là. Alors, 315 retiré, 360. Alors, c'est pas négatif. 600 et etc. là, hein. Alors, 15 retiré 60, c'est négatif, c'est simplement négatif 45. Mes excuses, c'est ça va le là qui m'a une faute. Allez, ça veut dire si vous reprenez lit, 45 degrés, il faut produire un angle en arrière, qui est moins 315. Moins 315, il faut reproduire un angle en arrière, qui est moins 675. Moins 675, il pourrait produire un angle en arrière qui est moins 1035. Mais le fait que moins 1035, l'IP dépasse 720 degrés en arrière là. Le fait que moins 1035, l'IP dépasse nous moins 720 degrés. So it's rejected. Allez, nous travaillons pour 315 degrés là. Allez, pour 315 degrés. 315 degrés, retire 360, c'est moins 45. Moins 45, maintenant, lui aussi, l'IP pour produire un autre angle. Voilà. Les pour produire un autre angle, alors cela vous donne combien là? Alors cela vous donne négatif 405 degrés par ici. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Maintenant, ça négatif 405 degrés là. Les aussi, voilà, les pour continuer. Produce another angle in the reverse cycle.
Alors, c'est négatif 760, c'est négatif 765 degrés. Alors, voilà, le fait que l'île dépasse, le fait que l'île aussi par ici, l'île dépasse sa barème, le fait que l'île aussi, l'infini dépasse barème de moins 720 degrés, tout d'accord, l'infini dépasse barème de moins 720 degrés, alors cela veut dire que l'île aussi, l'île rejected. Ça veut dire en d'autres mots, voilà, get bien. Ici, tu me vois le réponse in ton exact value. Attention, soit le livre 1DP. Get bien, 1DP sur l'instruction, c'est que quand on va le réponse ça. Il n'y a pas ton exact value qui est vraiment le livre 1DP. Mais tandis que là, il y a un exact value, il y a un integer value, c'est vrai qu'il y a pas une décimale avec lui là. Alors, cela nous donne lire rond pour rond comment il était. Attention, on va remettre 0.0 degré, il n'y a pas bon sinon là. Alors, ce pour this one over here, qui est venu, pour venir, x est égal à combien? Alors, comment je connais, once again, nous avons une réponse bizarre ascending order. Alors, comme answer, ça va être quoi là? Allez, ça rejected, ça rejected. Allez. Nous commençons avec moins 675, moins 405, moins 315, moins 45. Voilà, vous pouvez pas le rater, on y est là, bien bon. Ici, c'est nous 45. Ensuite, 315 degrés. Ensuite, 405 degrés. Ensuite, 675 degrés. Voilà. So, these are your answers for the given domain over here. Alors, là, c'est nous bonne réponse qui trouve dans le forward cycle. We do so by applying a cycle de plus 360. And for the reverse cycle, once again, je prends votre réponse premier quadrant qui est 45 degrés. Je retire 360, angle produce, re-retire 360. Chaque angle qui gagne, retire 360 jusqu'à l'even rejection. La même chose pour le prochain quadrant qui est x égale à 315 degrés. Alors, je n'ai rien à vous prendre 315, je moins 360. Je regagne pour une nouvelle réponse, moins 360. Nouvelle réponse, re-moins 360. You work up to rejection level. Then, do not forget to give your answer in terms of ascending order. So next upcoming example is example 2 method.